pour faire davantage de choses. Grâce à ça, ils ont organisé les transports, le retraitement des déchets, l'éducation. Oui, chacun amène une part. Parce que seul, chacun amène une part. En plus, souvent, les enfants, il y a des gens qui travaillent à Saint-Malo, qui habitent dans la commune à côté. Donc, s'il n'y a pas de transport, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, je me suis dit, voilà, on représente ça, on représente les 80 habitants. Et donc, notre slogan, c'est « Unis pour être plus fort ». C'est exactement ça. Parce que moi, c'est pareil, nous, on n'arrive à rien tout seul. C'est parce qu'on est unis qu'on arrive à faire des choses, de grandes choses. C'est ça, le truc. Super, Lamiri. Oui. Vous êtes en compétition internationale depuis combien d'années? Moi, ça fait une dizaine d'années. Bon, j'ai un cursus un peu particulier parce que moi, je suis issu de la plaisance professionnelle. Parce que j'ai d'abord fait beaucoup de charter, j'ai emmené beaucoup de gens à bord de différents bateaux. Le but au départ, c'était de leur faire découvrir la mer, de leur faire partager ce que j'aime. Et en fait, moi, c'est sûr que j'avais dans ma tête l'ultime, c'est ça, c'est de courir sur des bêtes de course comme le trimaran des Fils à Maloago. Et donc, maintenant je fais ça et je continue quand même avec le bateau à emmener du public pour leur faire partager aussi ces bateaux qui sont extraordinaires. C'est la première fois que vous allez à Atlas Open ? Non, parce que j'ai fait deux routes du Rhum. J'ai déjà fait deux routes du Rhum, hein, donc en ultime. Hein. En 2010, j'ai fait le dernier Rhum en ultime. Sur la route du Rhum, c'est ouais. En Amérique du Sud ? Alors la route du Rhum, c'est une course en solitaire qui fait Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Ah oh, ok, je pensais. C'est une course incroyable. Hein. Donc c'est vrai, à Saint-Malo, on a une grande chance parce qu'on a deux courses de légende. Une qui part, qui s'appelle la route du Rhum, et une qui arrive, qui s'appelle Québec-Saint-Malo. Et votre meilleure performance sur la route du Rhum ? Alors j'ai fait 6e. J'ai fait 6e l'an dernier en route du Rhum. Et voilà, je progresse. Et le but c'est de gagner. Et la Transat Québec-Saint-Malo, ça va être à quelle position ? Vous espérez finir ? Numéro 1. Numéro 1 ? Alors je souhaite. Merde.